Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 965 de l'After Zap Image. On va débuter avec ce troll de la Fédération macédonienne de football qui a offert une carte d'identité macédonienne à Timo Werner en signe de gratitude. Je vous remets la petite image juste à côté, le but immanquable raté par Timo Werner lors de ce match entre l'Allemagne et la Macédoine, alors qu'il y a toujours un partout dans ce match. C'était évidemment l'occasion de prendre les devants pour l'Allemagne. Il est à 6 mètres du but, il n'a plus qu'à placer un petit plat du pied pour que ce ballon termine au fond des filets, et Timo Werner s'est emmêlé les pinceaux. Ce ballon a terminé en 6 mètres, donc voilà la fédération macédonienne qui s'est permis ce petit troll sur les réseaux sociaux. Ensuite on enchaîne avec une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous donne son avis sur l'Euro cet été, et il voit bien l'Italie aller très très loin dans cette compétition. Il nous dit: je parierais sur une victoire finale de l'Italie à l'Euro, mais vraiment, elle a très bien joué durant les qualifications. Nous sommes tous crevés par la pandémie, mais quand elle s'achèvera, toutes les petites choses seront extraordinaires. Il est vrai que l'on voit une équipe italienne qui a beaucoup beaucoup progressé depuis l'arrivée de Roberto Mancini. Elle a de très très bons résultats, cette sélection italienne, donc évidemment ça fait partie des sérieux outsiders pour l'Euro cet été. C'est une équipe qui a traversé des années assez compliquées il y a 4 ou 5 ans. Elle s'est très bien relevée, il y a une belle génération de jeunes joueurs très talentueux du côté de l'Italie, donc évidemment ça reste une sélection qui sera à surveiller pendant cet Euro. Ensuite, on enchaîne avec cette petite liste qui, malheureusement, va faire mal à certains clubs, puisque des joueurs qui avaient certainement de grandes échéances avec leurs équipes dans les prochaines semaines, malheureusement, ils se sont blessés pendant ces 2 semaines de trêve internationale. Robert Lewandowski, N'Golo Kanté, Marco Verratti, Marcus Rashford, Sergio Ramos. La trêve internationale a été fatale pour certains de ces grands joueurs. On rappelle encore une fois que il est vrai que depuis un petit peu moins d'un an maintenant, le rythme des matchs est très très soutenu pour les grands joueurs qui sont qualifiés sur tous les tableaux, Coupe d'Europe avec leur club, en championnat, plus évidemment les sélections nationales. Voilà, ça fait mal en général au corps d'avoir ce genre de rythme. Ensuite, une déclaration de Bichente Lizarazu qui nous dit: Thomas Lemar, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. On avait presque l'impression de l'avoir perdu du côté de l'Atlético, mais il a l'air de revenir en grâce depuis quelques semaines. Il a un profil différent par rapport aux autres joueurs offensifs de l'équipe de France, et il est très intéressant aussi pour les latéraux qui peuvent s'appuyer sur lui. Il est vrai que c'est un joueur qui, depuis quelques mois maintenant, est revenu quand même à un très très bon niveau avec l'Atlético. Il a passé une traversée du désert pendant plus d'un an avec l'Atlético. C'était très compliqué avec Diego Simeone, mais depuis quelques mois maintenant, il revient très en forme, il est très important sur le terrain, il revient en forme en plus de ça au meilleur moment, à quelques semaines maintenant de l'Euro. Ensuite, on prend la direction de Marseille, déclaration du capitaine Steve Mandanda qui évoque son avenir en club, parce qu'on sait aussi qu'il se pourrait qu'il prenne sa retraite internationale après l'Euro. En tout cas, en club, il nous dit: je vois mon avenir à Marseille, parce que j'ai tout appris ici, j'ai tout gagné, tout vécu, donc évidemment je me vois du côté de Marseille. Dans quel rôle, comment, quand, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que je ne m'imagine pas ailleurs qu'ici. Donc ça a le mérite d'être clair, il voudra certainement continuer du côté de Marseille pour encore quelques années, que ça soit sur le terrain ou peut-être dans un autre rôle au sein du staff marseillais. Ensuite, une petite info qui concerne un gardien qui est suivi par l'Olympique de Marseille, puisqu'on vient de le dire, Steve Mandanda, il se voit continuer du côté de Marseille, mais voilà, Steve Mandanda, il est quand même très proche aussi de la fin de sa carrière. L'Olympique de Marseille suit attentivement la situation de Alban Lafont, le jeune gardien du FC Nantes. Marseille n'est pas le seul club intéressé, puisque plusieurs équipes du top 6 français suivent la situation du gardien nantais. Toujours une petite info du côté de Marseille qui concerne Arkadiusz Milik, et on le sait déjà depuis quelques mois maintenant. Il est prêté par le Napoli, Arkadiusz Milik, mais il est prêté pour 18 mois, mais il pourrait déjà quitter l'Olympique de Marseille sur le mercato estival, puisqu'on rappelle qu'il y a un accord entre l'Olympique de Marseille et le Napoli. Si jamais un club, et notamment un club italien, arrive avec au moins 12 millions d'euros, Arkadiusz Milik quittera l'Olympique de Marseille. Et ça pourrait être le cas parce que la Juventus est toujours très très intéressée par l'attaquant polonais.
Pour rappel, hein, la Juve voulait déjà le signer l'été dernier, et puis il y avait eu des problèmes avec le président du Napoli. Ça ne s'était pas fait, mais en tout cas, la Juve garde toujours un œil sur Arkadiusz Milik. Ensuite, direction Madrid, une déclaration de Sergio Ramos, très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, rechute pour Sergio Ramos qui sera encore une fois absent. On parle d'une absence d'en gros 4 semaines, donc un gros mois d'absence hein, pour Sergio Ramos qui va rater évidemment des échéances importantes pour le Real, la Ligue des Champions, le Classico face au Barça et puis la lutte hein, en Liga. Il nous dit la vérité, c'est que je suis passé par quelques semaines qui étaient très dures, une intervention chirurgicale, c'est toujours un coup d'arrêt sportif et émotionnel. Mais dans le football comme dans la vie, la malchance joue aussi un rôle important. S'il y a bien quelque chose qui me fait de la peine, c'est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans ces grands matchs où nous allons jouer notre saison sur les prochaines semaines. Gros coup dur évidemment pour le Real Madrid. Toujours du côté de Madrid, peut-être un grand changement qui se prépare au sein de la direction madrilène dans les prochaines semaines, puisque le président Florentino Pérez a demandé au conseil électoral du Real de lancer la procédure visant à organiser une nouvelle élection présidentielle. Il devrait se présenter à nouveau, donc il pourrait évidemment continuer son mandat en tant que président du Real Madrid, mais une chose un petit peu rare du côté de Madrid, il se pourrait que Florentino Pérez rencontre un adversaire en face de lui. C'est très rare hein, du côté de Madrid hein, en général. Voilà, il n'avait pas d'adversaire, Florentino Pérez, mais évidemment, il semblerait que ces élections lui soient déjà promises. Ensuite, une déclaration de James Rodriguez qui nous parle de l'année dernière, du Real, d'Everton, de l'Atlético. Il nous dit l'année dernière, j'ai très peu joué avec le Real Madrid. Mon transfert à l'Atlético, il était quasiment bouclé. J'avais même parlé avec Diego Simeone qui me disait que j'allais être un élément important de l'effectif. Mais il faut demander à Florentino Pérez pourquoi il ne m'a jamais laissé partir du côté de l'Atlético. Bah après, la petite supposition qu'on peut se faire, c'est que évidemment entre le Real et l'Atlético, on s'apprécie pas énormément. Donc on peut penser hein, que Florentino Pérez a voulu évidemment contrecarrer les plans de son voisin de l'Atlético Madrid, direction Barcelone maintenant. Une réunion aura lieu dans les prochaines semaines concernant le futur de Léo Messi du côté de la Catalogne. Joan Laporta est déjà entré en contact avec le joueur, mais aussi avec son entourage, mais il y aura une réunion un petit peu plus formelle entre tous les représentants de ce dossier dans les prochaines semaines. Une petite info très positive quand même du côté de Barcelone. Lionel Messi serait prêt à faire des sacrifices financiers pour prolonger son aventure du côté de Barcelone. En revanche, il souhaite quand même évidemment avoir des garanties sportives hein, sur le projet du Barça sur ces prochaines années. C'est bien logique. Hein. Il peut certainement baisser notamment ses prétentions salariales, mais il faut aussi quand même avoir un projet solide du côté du Barça pour convaincre Messi que le Barça peut redevenir l'un des plus grands clubs au monde et régner sur l'Europe, hein, chose que le Barça ne fait plus depuis quelques années. Ensuite, là aussi, encore une fois, une plutôt bonne nouvelle hein, du côté du Barça. Hier, Mino Raiola, agent d'Erling Haaland et le papa d'Erling Haaland, était présent du côté de Barcelone. Hein, faut vérifier 100%, vous le voyez sur cette image, ils étaient à l'aéroport de Barcelone. Ils ont rencontré le nouveau président du Barça, à savoir Joan Laporta. Il y a eu des discussions, évidemment, autour d'Erling Haaland, du projet catalan. Ces discussions se sont avérées plutôt positives, donc c'est plutôt intéressant pour le Barça, qui, évidemment, va tenter sa chance sur le dossier Erling Haaland. Après, il faut aussi se dire que le Barça n'est évidemment pas seul sur le dossier Haaland, puisque on attend certainement dans la journée ou dans le week-end Mino Raiola et le papa d'Erling Haaland du côté de Madrid pour rencontrer le Real Madrid. Et on parle même déjà de quelques rencontres qui seraient prévues pour la semaine prochaine du côté de l'Angleterre. Les deux clubs de Manchester, Chelsea et même peut-être Liverpool souhaiteraient rencontrer l'agent mais aussi le papa d'Erling Haaland. Donc autant dire hein, qu'il y a beaucoup beaucoup de monde à la porte pour Erling Haaland. En tout cas, hier, première visite quand même hein, du clan Haaland du côté de Barcelone. On poursuit du côté de Paris, ça concerne aussi le Barça. Une déclaration de Leandro Paredes qui nous parle de Sergio Aguero et nous dit « Nous aimons toujours avoir les meilleurs joueurs, il en fait évidemment partie. J'espère qu'il décidera de ce qui est le mieux pour lui en premier lieu. Ensuite, s'il vient avec nous du côté de Paris, évidemment, il sera
le bienvenu. On suivra attentivement ce qu'il se passera autour de Sergio Agüero dans les prochains mois. Alors, je pense pas qu'il soit hyper pressé pour prendre sa décision. Il a encore évidemment beaucoup de temps devant lui. Ça sera certainement sa dernière aventure en Europe, hein, Sergio Agüero. Je pense que on le sait tous, il retournera jouer du côté de l'Argentine un jour ou l'autre. En tout cas, visiblement, il continuera donc au moins un an, voire deux, du côté de l'Europe. Le PSG, évidemment, est une option. Le Barça aussi, je pense qu'il va aussi privilégier tout simplement le choix sportif et pourquoi pas le choix aussi affectif, hein, avec des joueurs argentins. Et il y en a du côté de Paris, il y en a du côté de Barcelone. Ensuite, direction Tottenham. Les dirigeants des Spurs seraient très confiants à l'idée de conserver Harry Kane pour ce mercato estival à moins d'une offre astronomique. Il ne partira pas, on sait, hein, du côté de Tottenham, que le président, monsieur Levy, c'est quelqu'un qui est très très dur en affaires. Et puis, d'après les infos qui sortent, hein, déjà depuis quelques mois, les Spurs ne discuteront pas à moins d'une offre astronomique. Et une offre astronomique, c'est 140 millions d'euros, hein, pour Harry Kane. Donc, est-ce qu'une offre de cette ampleur arrivera sur le mercato estival? Évidemment, on peut en douter. Une petite info aussi qui concerne toujours les Spurs de Tottenham, elle concerne Heung-min Son, le sud-coréen, puisque le Bayern s'intéresse très très fortement à Heung-min Son. L'entraîneur Hansi Flick du Bayern apprécie énormément le profil du sud-coréen, qui est toujours sous contrat jusqu'en 2023 avec les Spurs. Tottenham demanderait 85 millions d'euros pour le sud-coréen. Direction l'Italie, maintenant, avec une mauvaise nouvelle du côté de la Juve. Leonardo Bonucci, testé positif au Covid-19, il sera évidemment absent pour le derby ce week-end, la Juve qui affronte le Torino. Et une autre mauvaise nouvelle, la Juve dans la tourmente, puisque les Turinois vont devoir aussi certainement se passer de Dybala, Arthur et Weston McKennie pour ce match face au Torino, puisque ces trois joueurs ont été impliqués dans une fête du côté de Turin, une fête évidemment illégale, hein, par ces temps de Covid. Donc ils vont être certainement lourdement sanctionnés par la Juventus. C'est évidemment très mauvaise nouvelle, hein, quand même, des joueurs important de l'effectif turinois qui devrait donc ne pas jouer ce week-end. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne le derby milanais. Milan face à l'Inter, c'était il y a quelques semaines, voire un petit peu plus d'un mois maintenant, cette altercation entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Les deux joueurs ont été mis à l'amende, hein, par leur club, et ces amendes vont être reversées à des associations caritatives. Donc un beau geste de la part des deux clubs milanais. On termine, les amis, cet épisode du côté de l'Argentine avec cette image assez sympa. Carlos Tevez qui pose avec le nouveau maillot de Boca Juniors, un maillot toujours très sympa, hein. Ils sont toujours dans le design assez sympa, les maillots de Boca Juniors. Et puis vous pouvez le remarquer, hein, un Carlos Tevez très très affûté, hein. Le maillot, il ne le moule pas du tout, donc à l'âge de 37 ans, quand même important, hein, ce que fait Carlos Tevez. Déjà 9 buts marqués cette saison avec Boca Juniors. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que comme d'habitude ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, ça ne coûte rien, abonnez-vous à la chaîne. Les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.